Marc. Bonjour à tous, dernière étape de ce Tour de France. Il y a du bruit, j'espère que vous entendez le retour de Monsieur Spiros. Ça faisait longtemps. Je suis avec Fofo aussi, et qui est fossile, que certains connaissent déjà. Aujourd'hui, du coup, on est sur l'échange, je vais vous montrer ça un petit peu. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants, quelques véhicules techniques. Ensuite, eh bien, on approchera de la fin de la caravane. Ils vont passer. Ils font partie des derniers qui viennent derrière encore, hein, au niveau du partenariat technique. La caravane est en train de passer. J'ai pas dormi encore depuis hier soir, depuis le dernier vlog. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On dormira demain. On dormira demain. J'ai pas encore sera mort, exactement. J'ai pas beaucoup de batterie sur la GoPro, alors j'espère que ça va passer. J'ai 40% même pas, j'ai 35 je crois. Donc ça va être chaud de faire le vlog, mais écoutez, on va essayer de se débrouiller comme ça. Voilà, caravane en train de passer. Salut les jeunes. Risqué ou je sais pas, pour l'autocours. Ah, je sais pas. Mathieu Van Der Poel. Ok. Prono. Ah, le pari du cœur, Peter Sagan. Peter Sagan et moi, j'ai mis Axel Zinglo. Voilà, qui tape Philipsen, hein. 1v1 Philipsen. Le classe, mon frère. Et puis, voilà. Donc, Van Der Poel, Sagan, Philipsen, n'importe quoi, Zinglo. On n'aura sûrement aucun dans les 10. C'est la caravelle. Pedersen. Ok. Pedersen derrière. Et puis, voilà, écoutez, on va regarder la course. Il y a encore le temps, il y a encore 2 heures d'attente, donc bon, ça va être assez long. Mais moi, je vais essayer de faire des petits plans de la course. Effectivement, le vlog ne sera court, mais à la fin, on parlera, vous et moi tranquille, on fera un petit débrief de tous les vlogs. Et puis voilà, tout à fait cool. Et avec plaisir, ce qui n'est pas incompatible. Avant de sortir. Merci beaucoup, Orangina. Et le maillot jaune, regardez, il forme une seule et même ligne. Ah, quelle belle image. La Jumbo Visma qui va remporter son 2e Tour de France consécutif. Une équipe qui a été longtemps une formation spécialiste des classiques et qui est devenue évidemment une grande spécialiste des grands tours. Au moment où les véhicules reçoivent aussi la toute arrivée, il reste 8 tours. Effectivement, survoler le peloton, un peloton qui va accélérer prochainement avec, on peut le penser, peut-être un peloton qui va bien. Un Thibaut Pinot ici en avant-dernière position qui perd la marche de ce peloton. Tadej Pogacar, vous l'avez dit, donc brillant, champion évidemment, avec un peu de frustration de ne pas avoir peut-être réussi pleinement le Tour de France qu'il espérait et qui est à l'attaque. Il l'a emporté hier dans l'avant-dernière étape de ce Tour de France, le 150e aujourd'hui. Un immense champion qu'on saluera tout à l'heure. Le TGV, le classement qui a passé 1 km de l'arrivée. Le peloton est à 14 secondes. Un peloton avec en dernière position Guylaine Vanthard et Grégoire Mulder, deux champions nationaux. Le champion des Pays-Bas, accompagné par le champion d'Autriche et un Rémi Cavagna. François qui fait très mal à tout le monde en première position du peloton, alors que Tadej Pogacar, regardez quelle image, il va remporter le sprint intermédiaire à 40 km de l'arrivée. L'histoire retiendra que Tadej Pogacar. Pendant près de 2 km au total, évidemment pour rappeler la place de l'étoile et l'arc de triomphe, un son bestiole. L'Italien a été le coureur de l'équipe Kiev, sorti et c'est maintenant le Rémi Cavagna. Il a été sur le podium d'un championnat d'Europe contre la montre. C'est le jour de France à de la difficile d'un Rémi Cavagna qui ne parvient pas à lui en 7 peloton. Confirmation, dans les prochaines secondes, on gagne un sprint royal sur cette
avenue des Champs-Élysées. Et on revoit à terme de manière aérienne maintenant les 12 derniers hectomètres. Ah, et la victoire, un nom que de Jonas Vingegaard, qui va nous rejoindre, tout le qui connaît le portant du maillot à poids, remporte le classement de la montagne. Et on reste sur l'image, évidemment, Jordi Meuls, oh, Jasper Philipsen. Je pense que c'est un petit bon kilo pour ce dernier. Également de son empreinte, les routes du Tour de France, triple vainqueur d'étape. Il était monté sur le podium du Tour de France en 2014 et il a été encore le héros hier de la 20e étape. Et quelques points d'étape du jour, qui remporte le 110e Tour de France, la formation Jumbo-Visma, vainqueur du Tour 2023, Jonas Vingegaard remporte son deuxième Tour de France. Victoire pour Jordi Meuls. Alors aucun de nous trois a eu de bon prono. Et je crois que j'avais raison, aucun dans les 10. Donc voilà, ouais, c'était un vlog court. Parce que j'ai plus de batterie, j'ai 10% de batterie. Du coup je vais devoir me dépêcher. Mais voilà, bon les champs, rien de fou comme d'hab, c'était prévisible. Bon après c'est un peu la fête et tout, il n'y a pas eu la patrouille de France, dommage. Oui. Hop. Je t'en supplie, laisse-le. On a commencé le vlog à Bilbao, j'ai failli tomber. On va finir sur les champs, j'ai failli tomber. Franchement, assez exceptionnel, la boucle est bouclée. Merci à tous, encore une fois, pour ces 13 vidéos, pour ces 21 jours de Tour de France. Bon, il n'y a pas eu les 21 jours, mais on a fait 13, ce qui est déjà énorme. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre sur tout ce qui est les réseaux, tout ça. YouTube, je pense que bah, il n'y aura pas plus d'activité que ça sur YouTube. Parce que j'ai pas de projet très important ou pas de projet du tout sur YouTube. Donc si vous voulez suivre encore un petit peu, c'est sur Twitch où il y a quelques lives qui sont sur Pro Cycling Manager. Après peut-être on partira sur une série de vlogs, hein, on sait jamais. Hein. La Vuelta c'est parti. Et tu leur as dit pour la suite. De quoi? Et le bonus et l'after de ce vlog, ça sera dispo sur le meme de futur. Oula, alors là on part loin. Là on part loin, mais non, ça ne sera pas dispo là-dessus. Et du coup, ouais, voilà, merci à tous encore une fois, c'était un truc de zinzin à vivre ça. Je suis très content d'avoir vécu ça, d'avoir fait ça, parce que c'est pas toutes les années que je pourrais le faire. Cette année-là, c'était l'occasion, ou jamais, et encore, de battre les 13. L'année prochaine, on essaiera de battre les 13. Et encore, c'était pas prévu qu'on fasse le grand départ, etc. C'est pas prévu que j'aille au virage Pinot. Donc il y a pas mal de trucs qui se sont ajoutés, c'était vraiment très très lourd. Merci M. Styros pour le grand départ au passage. Et puis voilà, moi je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous pour la force que vous avez envoyée pendant ces 3 semaines. Et puis voilà, c'était un putain de kiff. Et puis on se quitte. Peut-être je vous ferai 2-3 images des champs, après quoi on verra. Mais je pense qu'on se quitte là-dessus. Après sinon je vais chialer, je vais me mettre à pleurer devant la cam et tout. Bah allez, des bisous les gars, merci à tous et je vous dis à la prochaine sur les réseaux, sur Twitch, tout ça. Ciao!